Y'a mon big up pour tous les massifs, vous êtes en direct sur ActuLife. Moi c'est Jammer, à l'état civil, Goré Bigoy Maurice. Ravi de partager ce moment avec vous. Hey, 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 si loin de toi. Oh. J'ai décidé de faire la musique tout d'abord. J'aimais d'abord la musique depuis l'enfance. La musique, c'était pour moi de véhiculer un message pour tous les gens du ghetto. Et à travers la musique, j'ai exploré les réalités, les difficultés. Véritablement, bon, la musique a commencé en 94-95 à la présence du coureur Alpha Blondy. À ce moment, j'étais à Korogo lors d'une tournée. La caravane, à l'époque. Bon, j'étais piqué par la musique de ce dernier. Et puis, mon retour à Abidjan dans les années 97-98 avec le mouvement hip-hop. À l'époque, Almighty Stezo, le mouvement HHOP, hip-hop, je veux dire rap. D'abord, bon, j'ai commencé d'abord le reggae après. J'étais investi dans le rap. Dans le rap après, bon, je me suis imprégné dans le new style de dancehall, le reggae raga. Voilà, et surtout influencé par des gens comme Kadim et le groupe Negro Morphine qui m'ont beaucoup poussé à bosser. Et j'ai fait mon premier pas avec mon premier possi, le Rimbo Possi, en 99 jusqu'à 2002. Et ainsi de suite, j'ai croisé des potes qui faisaient du hip-hop, ou d'autres qui font du reggae. Bon, on s'est réunis là pour former un groupe. À l'époque, qui s'appelait le Sondja Tribu. Bon, de Sondja Tribu, on a formé un grand posti qui s'appelait le Kaleyu Posti. Bon, le Kaleyu Posti, on a eu à tourner ensemble, on a eu à faire des sons système. À Bobo Sojefia, à Yopougon, à Kokoti, on a eu à faire des matinées. Par la suite, bon, on s'est séparés encore. On a reconstitué un autre groupe encore. Ainsi de suite, après avoir tourné avec plusieurs groupes, j'ai décidé de faire une carrière solo. Actuellement, bon, je peux pas l'album qui a fait boom. Révélation qui sera très bientôt, qui comporte au moins 8 titres. I'm in love with you. L'amour, l'unité et aussi le rassemblement de toutes les races. Moi aussi, je chante aussi la maman qui magnifie beaucoup la femme car ce sont telles qui nous ont donné la vie. Bon, à part la musique, je suis un agent inscripteur à l'AGEP, agence d'études de la promotion d'emploi. Et de ce point, je lance un big up à tous les agents de l'AGEP. Précisément au directeur de cette structure, M. Indri Philippe, à M. Amonji Diak, à M. Mian Fumin, Mme Amisha, Mme Bami Ali, bon, à tout le staff de l'AGEP, vraiment. Je vais besoin. J'arrive à gérer les deux, la musique et mon boulot. Car d'abord, la musique me permet d'aider tous les démunis. Les jeunes, je veux dire les gens du ghetto. Aussi le boulot que j'ai fait permet à tous ceux qui sont chômeurs, à tous les demandeurs d'emploi, d'avoir les premiers emplois. Alors c'est ça mon combat, à travers ma musique, aussi mon emploi. Donc j'arrive à concilier les deux, il n'y a pas de problème. Yo man, soyez tous branchés sur ActuLife, ne te fais plus raconter. Yo man, bless. So this is again.